Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ah, on attend un peu pendant que vous allez vous connecter. Je n'ai pas la connexion de Facebook là. Voilà. Merci. Shalom, shalom. Merci. Soyez abondamment bénis. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous connecter et à partager. Parce qu'aujourd'hui, c'est vérité et réalité. Voilà. Vérité et réalité. En ce mois de Ramadan, on a à peu près trois quarts d'heure d'informations à passer. Excusez-moi, je suis ici à Genève. Et le frère Jacques. Je suis ici à Genève. Et là, c'est à partir de Genève que on fait aujourd'hui vérité et réalité. Connectez-vous et partagez. Dans 2 minutes, on entrera dans le vif du sujet. Voilà, dans 2 minutes, 2 toutes petites minutes. Voilà. Et dans 2 minutes, connecter, connecter et partager. Ce sera un peu, c'est un peu dense. Et c'est très profond. Donc, n'hésitez pas à l'action. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, partagez. Autrement dit, ils vont couper le direct. Ça, il n'y a rien à faire. Attendez, excusez-moi, j'ai appelé. Là-bas, j'ai un téléphone rouge là-bas, s'il te plaît. Dans la chambre. Oui. Ouais. Donc, je vais prier en attendant. Parce que là où nous allons, là, c'est la grande bataille. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous élève. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nous sommes en plein dans le Ramadan. Et nous sommes à la veille de la Pâque. Et Seigneur, dans quelques jours, on va aussi célébrer la Pâque du Seigneur. Alors, que ton nom soit glorifié, que l'honneur soit pour toi. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci, éternel, divin Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Il y a à peu près avec Facebook et TikTok. Il y a à peu près 18 000 personnes qui sont abonnées. Et nous voulons appeler ta sainteté. Nous voulons appeler ta puissance. Nous voulons appeler ta grâce sur la vie de tous nos abonnés. Et nous voulons appeler aussi ta protection divine et ta grâce sur l'Afrique, sur l'Europe, sur les Amériques, sur l'Asie, sur les 5 continents. Merci Seigneur, nous élevons ton nom. Nous manifestons ta gloire. Sois glorifié, sois adoré. Fais du bien à nos auditeurs aujourd'hui. Et nous voulons particulièrement penser à nos amis musulmans, afin que, Seigneur, le voile soit déchiré devant leurs yeux. Et que la main puissante de Dieu soit manifestée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. L'honneur et la gloire soient ton partage. L'adoration et la puissance sont à partage. Seigneur, fais. Seigneur, que la guérison prenne place dans le corps de tous les malades. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Que l'honneur soit élevé. Que le Dieu vivant soit magnifié. Que la bénédiction du Très-Haut soit élevée. Merci. Père éternel, merci Dieu de gloire, merci Dieu de bénédiction, merci Dieu de célébration. Pendant qu'ils se connectent, pendant qu'ils partagent, oh, glorifie ta sainteté, élève ton Saint-Nom. Merci Seigneur de magnifier ta puissance, de célébrer ta gloire, d'élever ta sainteté. Béni sois-tu Seigneur, roi des nations et roi des rois, Dieu puissant et Dieu élevé. Dieu magnifique, Dieu béni,
Dieu loué, Dieu célébré. La gloire, l'honneur et la puissance soient ton partage, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous vénérons ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange au Très-Haut. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Voilà, les amis, que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit manifestée sur votre vie, que l'honneur de sa puissance soit élevé, et la bénédiction du Très-Haut soit magnifiée. Nous voulons ce soir partager avec vous vérité et réalité. Vérité et réalité, c'est le 87e épisode. C'est vraiment quelque chose de dense, de très profond, de très sérieux. Oh Seigneur, nous allons appeler votre attention, vraiment. Et ne laissez pas passer, je vais dire, liker, partager, activer, afin que le direct ne soit pas coupé. Alors, maintenant vient le temps des temps. Que le Seigneur glorifie son nom, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. Merci Seigneur. Alors, nous avons Vérité, Réalité, 87e épisode. Le sous-thème, c'est les confusions dans l'islam. Les confusions dans l'islam, 23e épisode, 23e partie. Notre Dieu va se glorifier ce soir. Alors, attention, attention. Et si nous faisons ces émissions-là, c'est parce que nous aimons ceux qui ne connaissent pas Jésus, particulièrement les musulmans ce soir, pendant qu'ils font leur ramadan, nous voulons leur témoigner l'amour de Christ en apportant ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité, vraiment. Ce qui ne peut pas changer. Ce qui est la vérité venant de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, les confessions dans l'islam, c'est avec l'assistance du Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, par sa puissance et par sa grâce. Et puis, c'est avec l'intercession de mon épouse, Maïmouna, la plus belle. Et aussi, c'est avec l'assistance de toute la grande famille, la bonne voix. Et avec la participation des 12 000 abonnés que vous êtes. Et de tout le corps de Christ, notre Dieu, ce soir, nous sommes là pour travailler. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Avec la collaboration de Radio JLC et Royaume Vie Média. Alors, maintenant, nous attaquons Vérité, Réalité, 87e épisode, le sous-thème. Tenez-vous bien. Les confusions dans l'islam, 23e partie. Ah, nous allons aborder la première confusion. Agissez, réagissez, pour ne pas qu'on coupe. C'est le Hadith, l'authentique Bukhari, volume 8, livre 74, 54, qui raconte. Imran bin Hussein dit ce que disait le messager d'Allah concernant les femmes. On va beaucoup parler de nos femmes. Aujourd'hui, les femmes, nos filles, nos épouses, nos sœurs, nos enfants. Ce que le Coran en dit, quelques parties. Durant son voyage nocturne avec son cheval ailé Burak et Djibril, le messager d'Allah aurait visité le paradis et l'enfer. Voici donc ce qu'il aurait remarqué. Il aurait vu que la majorité des personnes en enfer étaient deux groupes. Le groupe A, les pauvres. Le groupe B, les femmes. Donc, durant son périple, le prophète de l'islam aurait donc visité le paradis et l'enfer. Et là, il a vu que la majorité des personnes qui sont en enfer, ce sont les pauvres et les femmes. Ça vient de l'authentique Bukhari. Les femmes. Les femmes. Déjà, ça commence. Et là, c'est une confusion parce que
Les femmes, pourquoi les femmes seront plus nombreuses, selon l'islam, dans l'enfer? C'est confus. Que pourrons-nous penser de nos épouses, de nos mamans? C'est pour ça que il faut vite qu'elles sortent de l'islam pour ne pas remplir l'enfer là-bas. On va repartir dans l'Authentique Muslim, livre 4, numéro 1032, raconté par Abu Dar. Au temps de Mohammed, les femmes ne devaient pas passer à côté d'un homme qui priait. Si cela se produisait, la prière de l'homme était annulée par Allah. Il devait tout reprendre à zéro. Si un homme passe, une femme passe à côté d'un homme en prière, sa prière est gâtée. Qu'est-ce que la femme a pour qu'elle puisse gâter la prière d'un homme? Selon ce hadith, Muslims, livre 4, numéro 1032, raconté par Abu Dar. Il devait tout reprendre à zéro. Et Aïcha, qui était la plus jeune des femmes de Muhammad, vous vous souvenez, il l'a épousée quand elle avait 6 ans, il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et quand il est décédé à 62, 63 ans, elle avait que 18 ans. Aïcha qui donne un enseignement disant, voici ce qui peut annuler la prière. Parce que son époux lui aurait appris. Continuer de laquer, de passer les cœurs, de partager. Parce que ce que nous disons, ça peut être interrompu, surtout sur TikTok. Un chien qui passe devant un homme, la prière, un homme, une personne en prière, sa prière est gâtée. Un âne qui passe devant un homme en prière, une personne en prière, sa prière est gâtée. Une femme qui passe devant un homme qui prie, c'est également gâté. Voilà, encore la femme est prise ici. Elle est gâteuse, on peut dire ici. Elle est détructrice de prière. Pourquoi? Qu'est-ce que la femme a? Sans les femmes, nous ne serions pas là. Nous avons tous eu des mères. La remarque, Aïcha, même finalement, quand elle a reçu cet enseignement de son époux, a dit, vous avez fait de nous des chiens. Vous avez fait de nous des chiennes. Parce que la femme ne peut pas passer près d'un homme en prière et puis la prière sera gâtée. Il doit reprendre à zéro. Mais si elle passe devant un homme qui prie, tout comme le chien, tout comme l'âne, alors la prière est gâtée. Donc, Aïcha dit, mais Allah aurait-il fait de nous des chiens, des chiennes? Ah, cher ami. Pour ça, il ne faut pas rester dans l'islam. C'est une grande confusion. Ma mère était musulmane, mon père était musulman, j'y étais aussi. Mais je ne peux pas considérer qu'elles sont des chiennes. C'est une grande confusion. C'est pourquoi abandonne cette religion. Viens à Jésus. Un exemple. Dans Ibid, volume 7, livre 62, numéro 31, raconté par Ibn Umar. Une autre fois, Muhammad décrit la femme comme un porte-malheur. Donc, dans Ibid, volume 7, livre 62, numéro 31, raconté par Ibn Umar, le prophète de l'islam considère la femme comme un porte-malheur. Nos épouses ne sont pas des porte-malheurs. Vos épouses, nos enfants, les femmes ne sont pas des porte-malheurs. Mais à cette époque, le prophète de l'islam considérait ainsi. Vous avez eu la référence. Ibid, volume 7, livre 62, numéro 31. Alors, on va voir encore Ibid, volume 1, livre 6. Numéro 301, raconté par Abu Saïd al-Khoudri. Abu Saïd al-Khoudri. Alors, le voici. Il dit, le prophète de l'islam dit
à des femmes. Donnez les aumônes, car j'ai vu que la majorité des personnes en enfer sont des femmes. Il raconte, il dit comme ça aux femmes. Et les femmes disent, oh, messager d'Allah, pourquoi cela? Le prophète répond, il dit, parce que vous maudissez fréquemment et vous n'êtes pas reconnaissante envers vos époux. Il continue de dire, le prophète de l'islam, je ne connais personne aussi bête que vous en intelligence et en religion. Le prophète de l'islam dit, il connaît personne aussi bête en intelligence et en religion parmi les, autant que les femmes. Il dit, un homme sensé et intelligent pourrait se laisser égarer par vous. Tu vois, il continue son propos à la question de cette dame-là. Un homme sensé et intelligent pourrait se laisser égarer par vous, pourrait se laisser séduire par vous. Les femmes redemandèrent au prophète de l'islam avec respect. Elles disent, oh, messager d'Allah, qu'est-ce qui manque à notre intelligence et à notre pensée religieuse? Les femmes demandent. Et le messager d'Allah reprend. N'est-ce pas vrai que le témoignage de deux femmes équivaut celui d'un homme? N'est-ce pas vrai que le témoignage de deux femmes équivaut celui d'un homme? Alors, elles répondirent par l'affirmative. Le prophète de l'islam ajouta en disant, n'est-ce pas qu'une femme ne peut prier ni jeûner quand elle est en règle, quand elle est dans sa période? Cher ami, les femmes répondirent à l'affirmative. Le prophète dit encore, le prophète de l'islam dit de nouveau, alors, c'est ce qui manque à votre intelligence et à votre religion. Donc, voilà comment le prophète de l'islam partageait et likait. Voilà comment le prophète de l'islam conçoit, voit la femme. En ce mois de Ramadan, je veux que toutes les femmes se soustraient de cette doctrine, de cette pensée, de cette manière de faire, et qu'elles viennent plutôt vers Jésus. Toi, ma sœur, Aïchata, toi, ma fille, je veux dire, de caractère, viens à Jésus. Toi, ma sœur, viens à Jésus. Sors de l'islam. Tu n'es pas une chienne. Tu n'es pas une insensée. Tu es une personne, une faculté totale. Tu as la marque de la vie. Tu es une bonne personne. Viens à Jésus. Ton paradis sera assuré. Il va te respecter. Il va te considérer. Il va te bénir. Après ces citations des hadiths, ce que je vois, comme Ramad dit, le plus sensé des hommes peut se faire dévier là. Je crois qu'il parle de lui-même. Tellement qu'il ne tenait pas devant les femmes, les belles femmes, quand il voyait la beauté de la femme. Il l'épousait en même temps, il la prenait pour, pour concubine. Ah! Mais remarquons que lui, il s'est marié à Khadija, quand il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Elle était riche marchande, elle était son employeur. Après, il a épousé, donc il y avait 15 ans de différents âges entre eux. Il a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans, et lui en avait, je pense, 50 ou 52. Tu vois,
D'un bout à l'autre, il s'intéressait aux femmes. Et il avait au moins 11 ou 9 concubines, y compris. Et puis toutes ces paroles sont dites contre les femmes. Regardez, pourtant, musulman dit que dans le paradis, il n'y aura pas de célibataires, il y aura aussi des femmes. Regardez la sourate 56, verset 35 à 36. Nous sommes dans vérité et réalité et nous sommes en train de développer le sous-thème, les confusions dans l'islam. Aujourd'hui, c'est axé sur les femmes. Sourate 56, verset 35 à 38. Sur des lits surélevés, elles seront. C'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de droite, et une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de gauche, que sont les gens de gauche? Eux, ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Alors, voici. Les gens de droite, c'est tout simplement ceux qui sont au paradis. Et pour eux, il a fait des femmes. Il dit, nous les avons fait, nous les avons créées à la perfection. Pourtant, au paradis, hein, au paradis. Sur la terre ici, on les compare à des chiens, au temps du prophète Mohammed. Une femme peut gâter ta prière si elle passe à côté de toi. En priant, une femme peut gâter ta prière. Si elle passe devant, comme le chien peut gâter, comme l'âne peut gâter. La femme alors, Aïcha s'était élevée et avait dit, nous sommes des chiens, nous sommes comme des chiens, nous sommes des chiens alors. Et pourtant, au paradis, on parle, Dieu le dit, Allah Ta'ala dit, sur des lits surélevés, elles seront. Pourquoi? Pour les hommes. Et c'est nous qui les avons créés à la perfection. Allah dit, il les a créés à la perfection. Partagez le direct, likez, sinon ils vont couper. Et pour les gens, il dit, nous les avons créés, nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. À tout moment, elles seront renouvelées, elles seront rajeunies pour le plaisir des hommes qui ici, sur la terre, les traitent de personnes non intelligentes. Personne, même quand la femme est dans ces périodes, elle devient impure au point où Allah même ne veut pas sa prière. Allah même ne veut pas qu'elle jeûne. Pourtant, il a créé ainsi. C'est pourquoi, ces musulmans, sortez de là. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous respectera toujours. Allah vous a créé, à un moment donné, il dit gracieuse, là-bas, mais sur terre, il ne vous veut pas. Quand vous êtes dans vos périodes, dans vos menstrues, il ne veut pas que vous lui adressiez une prière, il ne veut pas que vous jeûniez pour lui. Abandonnez l'islam, venez à Jésus, mes sœurs, mes frères, mes sœurs. Il dit c'est pour les gens de droite, ceux de droite ce sont les musulmans. Et qui sont au paradis, ceux qui vont s'arranger pour y arriver. Ceux de gauche, ce sont les gens de l'enfer. Donc la femme sera quoi? Elle sera une récompense là-bas. Et pourtant, il dit, la sourate 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs d'Allah, des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quand à ta celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les et éloignez-vous d'elles et dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car
Allah est certes haut et grand. Alors, il faut même les frapper ici. Et pourtant, là-bas, elles sont faites gracieuses, vierges. Alors, ma sœur, c'est ici qu'il faut prendre ta dignité. Musulmane, c'est ici que tu dois prendre ta dignité. C'est ici que tu dois choisir de marcher avec Jésus. C'est ici qu'il te faut chercher le pardon de tes péchés. Et puis en plus, eux, même si la terre ici, ils ont l'occasion d'avoir quatre femmes. On ne peut pas aimer quatre femmes de la même manière. Viens à Christ. La Bible déclare que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est en Christ. L'islam, tu vas avoir des coépouses, des coépouses, des coépouses. La même chose qu'il fera avec toi aujourd'hui, il fera la même chose avec une autre demain. Ah, et puis au ciel là-bas, en plus, tu es considéré comme souillé quand tu es dans ta période. Alors, je vais vous dire une chose. Regardez, je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans une vidéo précédente, parlant de Ramadan pour Jésus. Partagez et likez pour ne pas qu'on coupe la vidéo. On est presque à la fin. Regarde les deux là. C'est pour ça que le prophète de l'islam, Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il n'est pas certainement sauvé. C'est pourquoi on dit sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. On dit que la paix soit sur lui. Et c'est pourquoi qu'on va, si ça tombe, à Médine, on dit salam alayka, ayuha nabiyu. Salam alayka, ayuha nabiyu. Que la paix soit sur toi, prophète. Mais de qui on parle? Il est mort depuis plusieurs siècles. Et puis on dit toujours que la paix soit sur lui. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas certain. On prie toujours pour son salut. Oui, il n'est pas sauvé. C'est pourquoi même. Quand un musulman décède, on va encore prier sur son corps. Parce qu'on ne sait pas où il va aller. Demander que Dieu le reçoive dans le paradis. Donc, il n'y a pas d'assurance dans le salut. Mais sur la terre, je vous en prie, utilisez bien les femmes. Ce sont nos mamans. Je ne permets pas que ma mère soit un instrument pour un homme là-bas au. Alors que il n'a pas voulu, la maman de Mohammed n'a pas connu le paradis, jamais. La mère des croyants, la mère des croyants est en affaire, selon Allah. Mais par contre, la mère de Jésus est dans le Coran honorée parmi toutes les femmes, sans pareil, sans pareil, honorée. En plus, regardons comment Jésus traite les femmes. Jésus, il n'a pas parlé de relations comparativement entre l'homme et la femme. Il n'a pas fait de proximité de cette manière. Mais dans Jean 4, au verset 1 jusqu'à 42, c'est la Samaritaine. Quand il a rencontré cette femme, et cette femme malheureuse, qui était l'objet, la risée de tout. Il a changé radicalement sa vie. Il a eu une conversation puissante. Il a prophétisé sur sa vie et il a touché son âme. Et il a fait que la femme a été radicalement transformée. Elle est devenue comme un évangéliste. Elle a dit, voici le Messie que nous attendions. Femme, avec Jésus, tu peux changer le monde. Et après tout, il y a une qu'on a amenée. Un jour, il était invité chez un pharisien. Il y a une qui l'a suivi. Elle est venue, on a dit, une femme qui vivait, qui avait une mauvaise vie. Quand Jésus est entré chez le pharisien, la femme est rentrée aussi. Elle a commencé à pleurer et elle a. Et puis ses larmes, elle a coulé ses larmes sur les pieds de Jésus, et elle a essuyé ses pieds avec sa chevelure. Jésus lui a pardonné tous ses péchés. Et Luc nous parle, Luc chapitre 8, on dit il y a une femme qui avait été prise en état d'adultère. Oh, et les hommes l'ont amenée, prête à la lapider, les Juifs là. Et il a dit
à la femme, il a dit aux hommes, si un parmi vous n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Ils sont tous partis en commençant par ceux qui étaient âgés. Et Jésus a dit à la femme, va-t'en, ne recommence plus, ne recommence plus. Jésus a pardonné ses péchés. Encore, Luc 8, le premier verset, il y avait une qui était possédée de sept démons. Jésus l'a délivrée. Jésus l'a délivrée, l'a transformée. Elle était avec les disciples de Jésus. Délivrée, les démons éternels. Jésus a chassé les démons. Marie de Magdala. Et elle était avec les disciples qui accompagnaient Jésus. Ouais. Femme, viens à Jésus. Viens à Jésus. Dans ce ramadan-là, c'est toi qui te lèves tôt, tôt, tôt pour faire la cuisine. Et ton mari mange. Et tu as le temps de manger et tu vas continuer de travailler. Et déjà, quand le soleil va tomber, il vient pour manger, pour boire sa bouillie, manger. Tu as grillé tout le poisson et tout ça. Et quand tu es dans des périodes, Allah ne veut pas entendre ta prière. Et quand tu es dans les périodes, Allah ne veut pas entendre que tu jeûnes pour lui. Alors, et que tu sois comparé à un chien. Qu'est-ce qui se passe devant un homme qui prie? Sa prière est gâtée. Ah, femme, viens, Jésus connaît ta valeur. Jésus connaît ta valeur. Viens, 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 viens Jésus. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus. Viens à Jésus ce soir. Spécialement en ce ramadan. Spécialement. Vérité, réalité. Nous arrivons bientôt. Nous arrivons à la fin. Je dis que nos femmes, nos épouses, nous sommes tous nés d'une mère. Et nos mamans ne sont pas des chiennes. Dieu lui-même les a créés avec un cycle. Et Jésus aime, garde la femme, même si elle est dans sa période. Il ne l'abandonne pas. Même si elle est malade, il la guérit. Même si elle est possédée, il la délivre. Et Jésus est venu mourir sur la croix pour que la femme aussi aille au paradis. Là-bas, elle va adorer Dieu avec les hommes. Elle ne sera pas esclave de quelqu'un. Non, 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 elle ne sera pas esclave. Elle va adorer Dieu. Oui, c'est pour ça que les femmes sont allées les premières à la tombe. Quand Jésus est ressuscité, elles ont rencontré l'ange. Et l'ange leur a dit, qu'est-ce que vous venez chercher? Hayat, la vie. Bein al mawt, chez les morts. Il dit, qu'est-ce que vous venez chercher? La vie chez les morts. Allez-y dire. Allez-y, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et c'est les femmes qui l'ont vu la première. La maman de Jésus. La maman de Jésus, Marie, Mariam, est honorée dans le Coran. Honorées dans la Bible. Les femmes sont honorées dans la Bible. Et même déshonorées dans le Coran. Bien que le prophète de l'islam, oui, les faisait s'occuper des veuves et tout ça. Mais il en avait jusqu'à 11 ou 13 même, et des concubines. Il tuait même le mari d'une femme. Et tuait son, il avait tué le mari d'une femme. Il avait tué son père. Et puis le même soir, le même jour, il a couché avec. Et c'est pour ça que cette femme juive de Caïba l'a empoisonné et il en est mort. Alors, ce ramadan-là, aujourd'hui c'est vérité, réalité. Dans la semaine, je vais faire ramadan pour Jésus. Mes soeurs, vous les femmes musulmanes, et toi-même si tu n'es pas musulman, viens à Jésus tout tranquillement. La valeur de la femme est bien connue. Le Saint-Esprit est avec la femme, le Saint-Esprit est avec l'homme. C'était depuis Genève. Vérité et réalité, numéro, laissez-moi voir, numéro 87. Vérité et réalité, 87e épisode. Et le sous-thème, la confusion dans l'islam, 23e partie, avec la grâce de Dieu.
avec la puissance de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la bonté de Dieu. Merci Seigneur, nous disons dans le nom de Jésus, toutes les femmes musulmanes, nous élevons la voix, nous prions pour elles. Femmes musulmanes, viens à Jésus, nous prions pour toi, afin que tu n'ailles pas en enfer. Nous fermons les portes de l'enfer dans le nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit va te toucher. Tu vas donner ta vie à Christ, même si ton mari ne le sait pas, afin que tes péchés soient pardonnés et tu iras au paradis. Tu iras au paradis. Le corps de Christ se lève en ce moment de Ramadan, parce que nous avons des mamans. Nous avons des filles, nous avons des sœurs, nous avons nos épouses. Oh, alors nous nous levons, corps de Christ, et un bon moment de prière aujourd'hui pour toutes les femmes musulmanes, afin qu'elles se donnent à Christ. Ferme les portes de l'enfer pour elles. Par le Saint-Esprit, ouvre leur cœur et que le Seigneur Jésus, son salut éternel, soit une réalité pour nombre d'entre elles. Au nom de Christ Jésus, depuis Genève, c'était dans la maison de mon ami, le serviteur Jacques Pinault, éternel Dieu Tout-Puissant, en plein Genève. C'était Vérité et Réalité, 87e épisode, sur TikTok et Facebook direct. Merci Seigneur. Et nous étions les confusions dans l'islam, 23e partie. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse en abondance. Merci, merci à vous. Merci à vous. Partagez. Merci Seigneur. Nous arrivons à la fin. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Merci Seigneur. Tu es vivant et tu es Alors, puissant. Au si nom de tu veux me faire Christ une petite Jésus, vidéo rapide. merci Dieu puissant. Merci Dieu élevé. Gloire et hommage à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Divin Père. Que ton nom soit béni. Qu'il soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Éternel. 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 Mer